Bonjour, je m'appelle Benjamin Lopez, je suis guitariste de jazz et j'habite à Paris. Et j'ai rencontré Charley au cours de Jam Session. C'est lui qui m'a proposé de monter un projet avec son ami Julian, dans lequel on mélangerait de la musique d'influence latino-américaine à de la musique française et à du jazz. Moi ça m'a tout de suite intéressé, et c'est comme ça que le projet Viaje en la Semilla est né. En choisissant des standards de la musique latino-américaine, des standards français de compositeurs français comme Michel Legrand ou des musiciens comme Django Reinhardt ou Serge Gainsbourg. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido, y si me han dicho que no estás. Que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Donc voilà, pour moi, avant tout, il s'agit d'un voyage, un long voyage, une forme d'épopée, donc très stimulante, autant sur le plan humain que spirituel aussi. On va traverser 12 pays, 12 000 km, 12 cultures différentes. Tout ça avec de très bons amis rencontrés sur deux continents, ici à Paris, Ben et Julian au Mexique. Et c'est pour ça qu'on a aussi eu cette envie-là de créer un projet musical ensemble, parce que c'est ce qui nous relie avant tout et ce qui nous a fait connaître. Es un proyecto donde hay un encuentro cultural, ¿no? Porque estamos citando a los grandes autores latinoamericanos de la corriente llamada Real Maravilloso o el Boom Latinoamericano, citando a estos escritores como Juan Rulfo, como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, y fusionando sus textos a estándares de la música francesa o la música americana, como el jazz, también como el jazz manouche, con valses, también con el tango. Este proyecto artístico, Viaje a la Semilla, está dirigido a un público hispanohablante, como también a un público francohablante. Está dirigido a centros culturales locales o espacios que promuevan las artes o donde haya un intercambio multidisciplinario cultural. Esto se presta perfectamente en el marco de las alianzas francesas, justamente porque son este tipo de espacios donde hay este intercambio entre Latinoamérica y Francia, y sobre todo que se encuentran en territorio latinoamericano. Thank you.